Chers amis, bonjour. Dans cet épisode, nous allons explorer une histoire fascinante qui va particulièrement résonner en vous, les entrepreneurs. Celle de Coca-Clear et ce qu'elle nous enseigne sur l'innovation et l'adaptation des produits. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. C'est au Japon, le 11 juin 2018, que Coca-Cola a lancé une version transparente de sa boisson phare. Ce n'est pas juste une variante de plus, c'est une réelle innovation produit. Pour les entrepreneurs, cela montre comment un produit traditionnel peut être transformé pour surprendre et captiver un nouveau marché. Et là, on parle de réinvention, pas juste de variation. Mais pourquoi parler de cela sur une chaîne d'entrepreneuriat? Parce que cette histoire nous enseigne des leçons clés sur la compréhension des marchés, le storytelling et la gestion de marque, tous des outils essentiels dans la trousse de l'entrepreneur moderne. Par exemple, revenons après la Seconde Guerre mondiale. Coca-Cola, symbole de l'Amérique, est difficilement accessible en Union soviétique. Le général Yukov, qui avait découvert le Coca-Cola lors de ses rencontres avec Eisenhower, souhaitait pouvoir en profiter dans un contexte où le symbole capitaliste était mal vu. Sa solution? Demander à Coca-Cola de produire une version incolore ressemblant à de la vodka. Cette anecdote illustre parfaitement comment un entrepreneur peut répondre à des besoins spécifiques du marché, parfois même à travers des requêtes inattendues. Pour nous, entrepreneurs, il y a là une leçon d'innovation et d'adaptation de produits. La capacité de Coca-Cola à relever ce défi nous montre que même les géants doivent parfois penser comme des startups, être flexibles, réactifs et surtout créatifs. Le Coca-Clear nous rappelle aussi l'importance du storytelling et du marketing. Ce produit ne se vend pas seulement grâce à son goût, mais aussi grâce à son histoire. En tant qu'entrepreneur, nous devons raconter une histoire qui touche notre public. Une histoire où nos produits ne sont pas de simples objets, mais des expériences, des moments, des souvenirs. Alors que vous développez vos entreprises, pensez à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons. Comment pouvez-vous réinventer ou adapter vos produits? Comment votre marque peut-elle répondre à des demandes uniques et spécifiques de vos clients? Et quelles histoires pouvez-vous raconter pour engager votre audience? Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter vos réflexions ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu qui font réfléchir, motivent et, je l'espère, vont vous aider pour faire grandir votre projet d'entrepreneuriat. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.